Hey hey, bonjour à tous, bonjour YouTube, ici Margatax, on se retrouve aujourd'hui sur Arma for Life, le serveur de Monsieur Rat Super. On va faire du sable, on va faire du verre. Allez, c'est parti! Alors les gars, j'espère que ça va. Aujourd'hui, la première chose que j'ai à vous dire, c'est merci d'être autant aussi nombreux hein, sur la chaîne. J'ai pas joué sur un jeu vidéo depuis quelques temps, étant donné que j'étais au Canada, comme vous le savez. J'espère que vous kiffez le jingle, hein, parce que je me suis plutôt éclaté à le faire. Et puis j'adore la musique, ça fait un peu trop... Je me la pète, et puis voilà, donc dans cette vidéo, là, il est minuit sur le serveur, on va farmer à fond du sable, on va le transformer en verre, et on va vendre tout ça. La licence de verre coûte 13 000 $, si je ne m'abuse, et il y a un ATM vers le traitement du verre, donc voilà. Ça va être plutôt cool. Concernant mon état, j'ai un petit peu faim. Ma vie a été légèrement écorchée, donc on va éviter les accidents, surtout que j'ai pas acheté de repair kit comme on me l'a dit. J'ai oublié. On verra si on passe devant un magasin ou pas. Et j'ai bu de l'eau. Du coup, ça va. Allez, hop. Donc moi, je peux prendre 20 sables à la... 20... Pardon, 20 sables à la fois. On peut en mettre quelques-uns dans le sprinter. Hein, je vous rappelle que c'est ça. Objectif, je vous le rappelle... Camion, donc un peu plus d'un million, puis une voiture un peu sportive quand on aura le camion, puis une maison, puis un bateau, licence bateau, pour pouvoir faire un peu de la drogue. Voilà, voilà les gars, ce qu'on va faire. Bon, en tout cas, le serveur est toujours aussi beau dans les mises à jour que Monsieur Rat Super a fait avec toute son équipe. Ils ont changé de serveur, donc on est sur un serveur dédié qui est plus gros, donc c'est plutôt intéressant. Intéressant. Tiens d'ailleurs, pour ceux qui savent jouer, vous êtes nombreux à savoir jouer mieux que moi. Est-ce qu'il y en a qui savent comment on change le volume de sa voix dans le jeu? Voilà, je ne sais pas, donc si vous le savez, en commentaire, ça m'aidera, comme d'habitude, grandement. Voilà, allez, on continue à piocher. On est le piocheur, le marchand de sable. Et ouais, jeu de mots incroyable. En tout cas, j'espère que ça va. Moi, ça va génialement bien. C'est premier jeu que je refais. C'est la première fois que je rejoue depuis mon voyage au Canada. Donc, je suis plutôt très content. Hein, parce que mine de rien, ça m'avait un petit peu manqué. Vous avez vu, j'ai laissé les phares allumés du sprinter. Comme ça, j'y vois bien. Puis, j'ai ma petite lampe torche en plus des familles. Vous savez ce qu'il faut qu'on achète? Un repair kit et un gilet jaune si on passe devant un magasin. Parce que le gilet jaune, c'est obligatoire quand on est dans un véhicule là sur le serveur, un peu comme dans la vraie vie. Du coup, si on se fait contrôler par la police et qu'on n'a pas notre gilet jaune, ils vont pas apprécier. Ils vont pas apprécier. Je sais pas du tout combien ça rapporte le sable. Là, je vais pas regarder. Tant pis. Hein. Hop. Hop, petit sprinter des familles. Bien agréable ce véhicule, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et je vous rappelle qu'on a quand même 301 000 $ en banque. Et ça n'a pas de prix, donc il faudra qu'on retire 13 000. On va, la prochaine fois qu'on passe devant un ATM, on prendra peut-être 20 000 $ à 25 000 $. Pour pouvoir acheter repair kit, le gilet jaune, et puis tout ça quoi. Puis la licence, évidemment, qui nous sera demandée. Je suis toujours tout seul hein, sur le serve. Enfin, je joue tout seul. Je ne suis pas tout seul. Hein, on est quelques-uns à jouer, je pense. J'ai plus les noms. Peut-être qu'ils les ont supprimés. Je ne sais pas trop. Bon, en tout cas, on doit être quelques-uns sur le serveur. Il y a toujours un peu de monde sur son serveur. Étant donné qu'il est plutôt... plutôt très très bien. Bon, en tout cas, moi j'adore ce jeu. Il fait bien plaisir. Et puis vraiment, il me fallait chercher aussi un jeu sur lequel je pourrais faire des lives. Et puis sur lequel je pourrais faire des lives.
et sur lequel ça n'influencerait pas les séries. Vous voyez, là, je peux faire un live très très facilement dessus, et puis on fera une autre vidéo, parce que je fais jamais la même chose dessus. C'est un peu plus compliqué, par exemple, sur un Transport Fever, parce qu'il faut que je fasse attention, après, à sortir les vidéos dans le bon sens. Ça, je peux plus en mettre 20, alors on va les déposer un par un. Ça y est, alors 112 sables, j'en ai 17 sur moi, on va reprendre 3. Enfin bon, voilà quoi. Voilà, voilà quoi, hein. Puis de toute façon, le jeu est très bien. On a reçu 3 sables, et bah allez, c'est parti. On est reparti. On est reparti, on est reparti. Alors. Ouais, c'est bon. Ma caméra n'était pas bloquée. On va se mettre en vue intérieure. Alors juste. Avant toute chose, l'usine à verre, elle est là. C'est ça hein, que je fais. CV, ouais, c'est ça. Alors, usine à verre. Non, alors j'y arrive toujours pas. Ah, hein. Je n'arrive. Oh, j'ai réussi à mettre un point, les gars. Incroyable. 6 km 3. Eh ben, c'est parfait. On va juste regarder un petit peu par où on prend. Alors, nous, on est là. On va prendre à droite, repasser par la ville. Bah, vous savez quoi? On va repasser par la ville, on va retirer, passer au magasin général. Pour les repair kits ou au marché, je sais plus. Bon, on va passer sur le magasin général d'abord. Et après, tac, autoroute, autoroute, tac, 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 tac. On passe à Morrison. Et on a de la route, j'espère que vous êtes chaud. En tout cas, là, on va à droite. Effectivement, on va s'acheter un repair kit parce que bon, c'est la merde. Et puis, on va passer voir un médecin aussi. Histoire que je me remette un peu full life, les gars. Ce serait bien. Allez, en route! Ta-da-da-ta. On va déjà retirer, donc l'ATM ici, il est vers l'hôpital. L'hôpital est à gauche, attention. Putain de débile là, qui a laissé sa voiture en plein milieu, oh là 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 là. Est-ce que j'ai besoin d'essence? Non. C'est parfait, alors... ouais, je peux passer l'ATM. C'est pas grave, on va prendre par là. Il y a une autre camionnette. Et un monsieur. C'est les phares allumés. Bonjour. Hop. Sur la TM orange, ça doit être un gars de chantier. Bonjour. Ne partez pas. Soignez-moi, docteur. Soignez-moi, s'il vous plaît. Docteur. Docteur, soignez-moi. Vous êtes complètement soigné. Merci, docteur. Allez, on se casse. On se casse, on va passer au magasin général. Hop. Non, pas à l'arrière, du tout. À l'avant. Je me demande à qui elle est, là, cette voiture de débile. Alors, moi, je vais peut-être pas me garer là. Ça va gêner. Hop. Voilà, on va se mettre dans le parking. On va faire nos petits achats. Voilà, parfait. Parfait, parfait, ici. On va juste reverrouiller le véhicule. Je sais pas si je l'ai verrouillé, déverrouillé. Vous avez verrouillé votre véhicule, parfait. Parfait, parfait. Alors. Murder King. Lui, il m'a pas dit bonjour, hein, quand même. Voilà, quoi. C'est pas très, très gentil. Bonjour, monsieur. Coffre à outils. Merci, on va en acheter... On va en acheter 2. Comme ça, on sera tranquille. Et on va aller voir pour le gilet jaune. Sacré bagnole. Hein. Vous avez vu ça? Sacré bagnole. Hein. C'est moi qui vous le dis, les gars. Allez, go. On va passer... Je pense que c'est à Célio qu'on peut acheter des gilets jaunes. Ta-da-ta-ta. Faudra que je pense à éteindre mes phares. Hein. Parce qu'en fait... les gars... Après, on va perdre notre batterie.
On va être obligé d'appeler un dépanneur pour qu'il remette notre batterie en route. Bon, ce serait pas très agréable. Donc là, je fais le grand tour. J'aurais pu couper. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Et puis, c'est parti. Célio, du coup, d'abord. Et ensuite, on va rouler aussi vite que l'on peut jusqu'au traitement de verre. Et puis, on va éviter de se faire arrêter si on roule aussi vite que l'on peut. Alors. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, le Zara? C'est pas un Célio, c'est un Zara. Il doit être par là. On va se garer sur le côté. Ouais, ça doit être là. Alors, on va sortir. Tac. Parfait. J'ai bien coupé les phares. C'est ça qu'on veut. Zara, non, c'est pas lui. C'est lui, bonjour. Vendeur de cartes, non. Bonjour, bonjour. Bonjour, madame. Dites-moi, je cherche un gilet jaune. Voilà, parfait. Merci, bonne journée. On va juste l'enlever, se le foutre ailleurs. On va le mettre dans le sac à dos. Toc, tac, 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 tac. Gilet fluo civil, voilà. Parfait, dans le sac à dos, mais au moins, si on a un accident, on pourra mettre le gilet jaune. Et ça, c'est cool. Alors, on va le laisser dans le sac à dos. Ça, j'en aurai toujours un. Pas besoin de changer de voiture. Pas besoin d'en mettre un par voiture, plutôt. Voilà, parce que j'ai quand même deux véhicules, je vous le rappelle. La Renault 2, la Renault Mégane 2 et... Et du coup, le Sprinter. Magnifique, le Sprinter, d'ailleurs. Bah, même la Renault Mégane 2, hein, elles sont très bien faites. Mais je me demande si c'est pas des véhicules Pop Life, directement. Ce que je vous rappelle. Enfin, vous le savez déjà, parce que si vous regardez mes vidéos, par exemple, depuis le début, bah, je vous l'ai dit. Si vous regardez Monsieur Super, bah, ça fait quelques temps que vous le savez. Il est en partenariat avec un serveur espagnol. Ouh, j'ai failli me planter. Du coup, il y a certains trucs qui sont espagnols. Bon, par contre, il n'y a pas de clignotant, malheureusement, sur ce véhicule. Ou alors, j'ai pas la bonne touche. Allez, c'est parti. Là, on a 5 km 8 à faire. Bah, ça va aller relativement vite parce que, mine de rien, le Sprinter, ça reste un Mercedes. Et du coup, c'est toujours intéressant. Hein. Souvenez-vous d'ici. Je me suis planté par là, les gars. Souvenez-vous, j'avais de l'héros partout dans la voiture et je me suis planté pas ici, là, comme un enfoiré. Alors que là, sur l'autoroute, on est quand même mieux, on n'y voit rien. Par contre, en vue intérieure de nuit, c'est compliqué, compliqué, les gars. Allez, go. Je suis à combien? Je suis à 170. Moi, je mets pas le turbo parce que je n'y arrive pas après. Donc, bon, après 170, ça reste très correct, hein. Franchement, on s'en fout. Hein. On s'en fout. Allez, go. Ta-ta-ra-ta-ta-ra. Je sais pas trop ce qu'il y a à faire encore dans la réserve naturelle. Il faudrait qu'on aille voir un de ces quatre. Un de ces quatre matins. Ça pourrait être bien. Ouais, je regarde pas la cam, là. Je suis concentré tel un bon pilote. Surtout que là, il n'y a pas de pompiers de connecté. Donc, en fait, s'il y a un accident, c'est la mort, quoi. Si je meurs, je meurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Station essence pour vendre le pétrole. On peut pas y accéder autrement qu'en faisant le tour, sauf si on fait un contresens. Souvenez-vous, je me suis... Bah, je sais pas si vous étiez là. Bah, en tout cas, moi, je me suis déjà tapé quelqu'un... Je me suis déjà tapé un pélo, là, dans le rond-point, qui était un contresens. J'étais comme un fou. Comme un fou. Allez, hop. Alors, nous, continue tout droit au rond-point. Voilà. Ce rond-point, il est là juste pour faire ralentir, en vrai. Ça doit pas être entièrement une autoroute, là. C'est peut-être... Peut-être qu'on passe d'autoroute à genre nationale, vous voyez ce que je veux dire? On va passer dans le tunnel. 5,5 km, regardez, on a déjà fait 200 mètres, les gars. Voilà. C'est qui, le papa? Oh, il y a un pompier connecté. Enfin, peut-être plusieurs pompiers, mais en tout cas... Pompier, c'est passé en vert, regardez tout en bas de votre écran. Du coup, ça veut dire qu'on pourra se faire sauver, les gars, et ça, c'est cool. Ça, c'est top. Du coup, on va tout faire là ensemble, je pense, sauf événement, sauf s'il se passe quelque chose de bizarre.
verra un petit peu. Je sais pas du tout combien de temps je vais mettre pour faire tout ça. Déjà, on a un petit peu de route, au moins pour aller au traitement du verre. Après, c'est pas très loin. Donc voilà quoi. Voilà. Vous savez ce que j'ai pas fait? J'ai pas mis ma radio en route pour la mettre au canal 113, genre. Si j'ai besoin, mais c'est pas très grave. Écoutez, tant pis, tant pis. Alors là, on a dit qu'on passait Morrison. Genre, je vais tout droit à Morrison. On est descendu à 30 FPS. On était à 60 tout à l'heure. 28, 29. Ouais, grosso modo, 30. Ouh! La police qui a arrêté des motards. Ça ne nous concerne pas. On ne s'arrête pas. On va pas chercher. Rien du tout, par contre, on va peut-être aller moins vite. Hein? Ce serait un peu idiot de faire un excès de vitesse alors qu'ils sont là. On va rester à 50. Hop, là, il y a un stop, on va le faire. Ok, il n'y a personne. Go. Go, go, go. 2,5 km. Ça qui est bon, là. On a bien avancé, les gars. Parfait. Hop. Là au rond-point c'est à droite et ensuite à gauche. Voilà. Rond-point droite. On va faire le stop aussi, on va regarder de tous les côtés. Ok, c'est beau. Il n'y a personne. Là, en théorie, on est assez loin. On va pouvoir reprendre de la vitesse. Il y a des gens qui ont planté les barrières là. 3h du matin. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On est sur la route toute la sainte journée. Ouh là là, je vais me planter. Ok, on va peut-être faire plus attention. C'est. Margaret Tax, chanteur. Ouais, TMTC. On est drôle. On est quand même bien drôle et bien amusant, les gars. Hein? J'espère que vous aussi vous rigolez derrière votre écran. Sinon, bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Hop, hop. Voilà. Là, je crois que c'est la deuxième à droite. On va regarder un petit peu. On va se mettre sur le côté. Regardez la carte. Ouais, c'est ça. Deuxième à droite. Puis on reste sur la droite. Tac, 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 tac. Là, on prend à droite. Puis tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Jusque là. Jusqu'à l'usine de verre sur laquelle j'ai enfin réussi à mettre un point. Juste vérifier. Il n'y a personne derrière. C'est bon. C'est parfait. On est reparti, les gars. On va aller. Traiter notre sable pour en faire du verre. C'est beau, hein? C'est quand même bien fait. C'est quand même très très bien fait. Parce que bon, comme tout le monde le sait, à la base, le verre, c'est du sable. En tout cas, comme tout le monde le sait, au moins les joueurs de Minecraft savent ça. Oh oh oh, on rigole. On se fend la poire, les gars. On se fend la poire. Attention, pont. Très joli pont, d'ailleurs. 600 mètres. Ah ouais, 600 mètres à vol d'oiseau, mais en fait... En fait, il faut qu'on fasse tout le tour, nous. Donc, bon. Bon, bah, on va faire tout le tour. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut bien qu'on fasse un petit peu de l'argent. Là-bas, il y avait un truc. Je sais pas qui c'était. Ouh là là, il va vite, cet enfoiré. Oh là là. J'espère pour toi que tu vas pas te planter, garçon. C'est chaud comment il roule. Là-bas, il y a des feux aussi. Là-haut, visiblement. Ah, c'est genre une tour de contrôle. Vous avez vu comment il avance par rapport à nous? Mais nous, on a tellement perdu en vitesse. Bon, on était en montée aussi. Puis le van est plein. Le van est plein. Le van est plein. Mais en tout cas, il nous a doublé vite, hein, cet enfoiré. Alors, droite. Droite, droite, droite. Pépouze. Parfait.
Ok. Là, j'ai dit, ouais, c'est ça, on reste à droite et on reste à droite tout le long, grosso modo. Jusqu'à ce qu'on y arrive. En plus, c'est un lieu sur lequel je suis jamais allé encore. Donc ça, c'est cool. Ça fait plaisir, les gars. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Hop. Hop. Ok. Station essence, on est comment? On est toujours bien en termes d'essence. Ça c'est cool parce que là si on tombe en panne sèche, on est foutu. Là j'ai dit à droite. Voilà. J'ai réussi à mettre un point sur la map, hein. Je vous le rappelle, mais... Exceptionnel le garçon. Exceptionnel, exceptionnel. Je me demande où il allait là, l'autre qui allait à toute barzingue. Je me demande bien où il allait. Hop. Hop. Bonjour. Bonjour, bonjour. Il n'y a personne. Hein. Franchement, on est bien, bien tranquille sur cette route, les gars. Tranquillement à base de... Tranquillade, j'espère que la vidéo vous plaît, même si du coup c'est une vidéo de nuit, mais bon. Moi je m'éclate vraiment sur ce jeu. J'espère que ce que je vous propose, bah, autant sur Arma 3 que sur la chaîne, vous plaît. Ça l'est en tout cas parce que le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter. Ça fait tellement plaisir les gars. Mais vous pouvez même pas savoir à quel point à chaque fois que je passe un palier, je me dis waouh là 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 là. Voilà ce que je me dis. 50 km/h. Bon, on va mettre un peu de boost. Ouh, ça n'a rien fait. Non, 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 non. Ça n'a rien fait. Ouh, pardon. Je transmis avec je ne sais qui. Je voulais pas. Je voulais pas, pardon. Pardon, pardon, pardon. C'est très bien là, Task Force. J'aime beaucoup le principe de la radio et tout. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. J'adore. Hop. Et puis sinon, je trouve que les traitements et les vendeurs sont plutôt bien placés. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour ceux qui jouent, mais en tout cas, moi je trouve qu'ils sont plutôt bien placés. Oh! Niquer la voiture. Voilà! Alors, ça c'est réglé. On va mettre le gilet jaune. Les gars. Oh là 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 là. Gilet jaune. Tac. Gilet jaune. Pourquoi il veut pas mettre son gilet, ce con? Ouais. Mets ton gilet. Non, je veux pas qu'il le mette au sol. Ah, zut, hein. Bon, on va pas le mettre. On va pas le mettre, on va pas le mettre, tant pis. Alors, on va réparer. Du coup, on va réparer. Voilà, c'est ça, là. J'ai planté le moteur. Ah là 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 là. En appuyant pas sur la bonne touche. En essayant de jouer avec la radio. Non, mais franchement. Et je me suis fait un peu mal en plus, hein. Savez quoi, là, on va en profiter pour casser la croûte, boire un coup, manger un truc, sans pression la famille, oui, TMTC. C'est pas arrêté. Ah si. Bonjour! Non, c'est bon, je viens de réparer, je me suis planté. Merci beaucoup. Ça va vous sinon? Elle est pas mal votre voiture là, hein? Bon, bah allez, hein, bonne soirée. Gentil, monsieur. Oh là là. Sympathique, sympathique. Bon, j'ai déjà fini de réparer, mais... On va dire que le cœur y était. Alors, pourquoi on n'a pas réussi à mettre le gilet jaune? Bah, je sais pas. Tant pis. Alors, menu Y, on va manger une bouteille d'eau et on va manger un donuts. Hop, voilà, parfait, parfait, parfait. On repart. On repart à l'aventure. On va essayer de pas se replanter. J'ai bien fait d'en acheter deux, du coup, des repair kits. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Encore une fois, l'idée a été bonne. Là, je crois que je vais à droite. On va juste se mettre sur le côté une nouvelle fois pour vérifier. Tac. Je suis... Ouais, c'est ça. À droite, droite toute. Et ensuite, une fois qu'on aura traité, on va aller vendre tout ça. 5 h du matin en plus, le jour va finir par se lever.
Donc ça, c'est cool. Évidemment, c'est génial, c'est génial. Ouh là là. Ha! Encore une fois, hein, j'ai tendance à tanguer. Là-bas, il y a des phares. On doit être en train d'arriver en ville. Ouais, c'est ça, on est à 700 mètres. Voilà, on est en ville. Elle est belle, cette ville-là. C'est pas un point de spawn, c'est une petite ville à côté. Oh, oh, comme j'ai eu de la chance. Ça a rien cassé. Je pense que j'ai un peu de dégâts matériels, mais ça a rien cassé. Un peu de chance. Un peu de chance, un peu de chance. On a tellement galéré à remonter tout ça. Ok. Allez, go. Là, il y a un stop. Attention. Vérifier. Il n'y a personne. Alors. L'usine de traitement, elle est là. On va aller s'ouvrir la barrière. Ok. On va la refermer derrière nous. Hop. Parce que voilà, hein, on laisse pas une barrière ouverte. Allez, go. Go, go, go. Allons traiter. Allons traiter. Calmons-nous. 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 Oh là là, qu'est-ce qu'il a? Problème de direction, visiblement. J'ai quand même dû prendre un petit coup. Hop. Voilà. Le traitement, il est là. On va se mettre devant, histoire d'avoir de la lumière. Voilà, parfait. Parfait, 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 parfait. Ah. Est-ce que... Bah, on va le faire à pied, comme d'hab. Alors, 14 000. Paf. On va traiter le sable qu'on a sur nous. Du coup, ce sera bien. 14 000, je pensais que c'était 13. Je vous avais dit 13, non? Bon, il me reste 4 800. Parfait, 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 parfait. C'est bien, on aura plein de licences. On pourra faire plein, plein de choses. On a permis de conduire, permis poids lourd, permis utilitaire, traitement sable, fer et cuivre. Voilà. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool, ça, c'est cool. Là, il y a une sorte de gros garage juste à côté. Hop! Allez, 100% pour ce que j'avais sur moi. Alors, on va le verrouiller. On va prendre... On va déposer le verre. Ah! On va récupérer du sable. Ok. Ok. Faut récupérer autant de sable qu'on peut. Oh, il y a des phares. Non, ils sont pas vers nous, donc ça c'est cool. On peut traiter 21 par 21, étant donné que j'ai mangé et que j'ai bu. Ça m'a fait un petit peu de place dans mon sac à dos, donc je peux mettre un petit peu plus de sable et ça c'est top. Ça c'est top, ça c'est top. En plus, là, il y a le petit ordinateur, genre, tac tac tac, traite-moi ce sable, fais-en moi du verre. Ah, c'est parfait, on pourra faire des fenêtres dans Minecraft. Encore de la lumière. Il y a un peu de trafic hein, quand même dans cette ville, je pensais pas. Je pensais pas, je pensais pas. Mais visiblement, il y a quand même des gens qui passent. Hop! On va déposer notre verre du coup. Récupérer notre sable de l'autre côté. Hop. Non! Non! Hop, hop, 21 sable. Allez, on recommence. Cet immeuble-là, il est énorme. Franchement, puis la vue est belle là, parce que vous avez la mer qui est par là-bas. Vous êtes au dernier étage, vous êtes tranquille, les gars. Franchement, vous êtes bien, bien, bien tranquille. En plus, il y a le jour qui se lève là. 5 h 38, ça c'est cool. Ça c'est cool, ça c'est cool, ça fait bien plaisir. Parce que du coup, on y verra un peu plus clair. Vous, vous y verrez un peu plus clair. J'y verrai un peu plus clair. Tout le monde, il y verra un peu plus clair. Et ça, c'est parfait. Parfait, parfait. Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça. Salut. Hop. J'ai pu déposer carrément, quasiment tout mon verre. Et ça, c'est cool. Bon, restait que 6, mais le verre est beaucoup plus léger que le sable.
Donc c'est bien. Et d'un autre côté, il va nous rapporter de l'argent. Donc c'est parfait. Limite, il faudrait y aller à deux camions. Tu sais, tu vas avec un pote, tu remplis chacun un semi. Paf, tu te fais bien plaisir. Bah, en même temps, déjà, si tu remplis un semi de toi, de base, tu te fais bien plaisir. Je pense que tu le rentabilises très 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 vite, ton camion. Camion classique ou semi-remorque normal. Hein. Ça n'a pas d'importance, je pense que c'est rentabilisé quand même assez vite, assez vite. Hop, ça c'est cool. Bonjour. Bonjour, bonjour. Hop, 21 verres. On les dépose. Hop, voilà, j'ai pu poser tout mon verre. Ça y est. Il ne me reste plus grand-chose à faire. Encore deux allers-retours. Et on a fini. Donc ça c'est top. Ça c'est top, ça c'est top. Traitement du sable. Fonte du sable. Ouais, en plus ça doit être ça. Genre on fond le sable jusqu'à ce qu'il devienne assez fin pour qu'on y voie trois verres. Je sais pas trop comment on fait du fer. Si jamais vous savez, un petit commentaire, on explique à moi, aux copains, et puis voilà, ça fera bien plaisir, hein. Ce sera superbe, 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 superbe. Fondre du sable, allez, 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 vous allez traiter vos items, allez. Inventaire, non, pas du tout ce que je voulais faire. Hop, on va quand même poser le gilet jaune dans le machin. Ça me paraît quand même être une bonne idée qui reste dans le véhicule. Hop, sable. On va faire ça tout de suite. Non. On va faire ça tout de suite. Inventaire, tac. Non. Alors, sac à dos. Gilet fluo. Voilà. Eh! Je l'ai mis par terre. Alors, je l'ai mis sur moi. Je suis pas arrivé tout à l'heure, mais là j'ai réussi. Bon, on va le réenlever, hein. Parce que c'est pas sexy du tout. Non. Puis j'appuie pas sur le bon bouton. En plus, hein, puis je fais ça trois fois de suite. C'est quand même un peu beaucoup. Bon, parfait. Parfait, parfait. On traite. Avant-dernier traitement. Et après, on repart. Alors, je vous montre un petit peu où on va aller. Tac tac tac, la boutique de verre elle est ici à Nueva San Cristobal. Ça c'est cool. Ça c'est cool, ça c'est cool. Je savais pas qu'il y avait une route ici là qui menait aussi sur ce style-là. Écoutez, je l'ignorais. Voilà, j'ai mis un petit point. Bah ouais, maintenant que je sais faire, c'est top. 3 km, bah, ça va aller vite. Tac. Hop, et les derniers sables. Bon, j'ai un peu de verre sur moi. C'est pas très grave, de toute façon, je vais en garder sur moi, là. Le dernier verre qu'on va faire, je vais le mettre dans le sac à dos. Dans le backpack. Tac, tac, bim, bim, boum, boum. Et après, en avant Guingamp, comme on dit dans le jargon. On va y vendre tout ça, tout ça. Je suis tellement en mode chanson, je suis tellement content de rejouer puis de rejouer sur Arma for Life, là ça fait tellement plaisir. Ça faisait longtemps, longtemps, longtemps. Hop, parfait. Et bon, on est reparti. On est reparti, on est reparti. Hop, la sortie, c'est là-bas. Voilà, on va réouvrir la barrière, la refermer. Je me suis peut-être enflammé sur le coup de frein. Hop. Tac, 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 tac. On va laisser les phares allumés. Par où, je ne sais pas. On va refermer la barrière, jeter un œil sur la carte. Ok, donc là, à gauche, comme j'ai fait en fait. Faut que je reprenne la route que j'ai prise, sauf que là, on ira à droite. Et hop, 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 hop. On va aller jusqu'à là-bas, donc demi-tour du sprinter. On va se mettre en vue première personne, là, comme il fait jour. On y verra mieux. Et ce sera bien fait. Ce sera bien cool, là, on est dans l'ambiance, en plus le rétro marche.
Et ça n'a pas de prix. Bon, le rétro est pas en... Moi, je suis à 40 FPS là, mais le rétro est pas du tout à 40 FPS. Et puis, il est pas en 4K. Il est pas en 1080p, c'est moi qui vous le dis. Ça, c'est pas de la HD. Mais c'est pareil dans... C'était à quoi que je jouais quand j'étais plus jeune. Je sais plus sur quelle console c'était. Si c'était sur 360, ça devait être le premier grind. Où en fait, les rétros, c'était les graphismes d'un jeu de PS2 alors qu'on était sur 360, quoi. On était une génération en dessous dans les rétros. Comme j'ai pu jouer à Grind, mine de rien, comme j'ai pu jouer à Grind, là, il était vraiment bien ce jeu-là. Il me plaisait beaucoup dans son genre. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous y avez déjà joué. Mais dites-le-moi, hein, encore dans les commentaires. Franchement, les commentaires, on est là pour en parler. De tout, hein, de ce que je dis dans le... même de tous les sujets que vous voulez. Moi, ça me fait plaisir de lire vos commentaires, ça me fait plaisir d'y répondre en plus. Donc, franchement, n'hésitez pas, les gars. L'espace commentaire, il est là pour vous. Voilà, voilà tout ce que j'ai à dire. Allez, 2 km à faire. Et puis, vente du verre, et puis la vie est belle, quoi. Là, on est bien, là. Voilà, on pourrait faire des missions de livraison aussi avec les DP. Pourquoi pas faire ça un de ces quatre. On prendra un... Peut-être qu'on va attendre d'avoir un camion. Hop, hop. J'ai fait des... Je sais pas si vous l'avez entendu, mais moi j'ai entendu mes pneus faire... Hein, j'étais en mode un petit peu dérapage, mais ces virages là en même temps ils sont affreux là, je suis à 125 et... Hein, voilà. J'ai les pneus qui crissent. Voilà le mot que je cherchais. Et puis en plus là, ce virage de la mort. Enfin, c'est pas les virages de la mort avec un grand guillemet, grand L aller, grand V à virage. Mais quand même, on est sur quelque chose d'assez intéressant en termes de virolo, on va dire. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. On passe vers le traitement de la cocaïne. C'est pas mal. Ouh là 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 là, encore une fois. Virage pourri. Hop. Sympa ici, là. Il y a des belles baraques, hein. Je sais pas si tout ça s'achète ou pas. Peut-être qu'on pourrait acheter par là, hein. Franchement. On pourrait très clairement acheter par ici. Allez, tac. Ah! M'a fait peur lui, j'ai foncé dans le mur. Je sais pas pourquoi il m'a fait peur, mais. Je crois que c'était un flic en fait. J'en ai défoncé un mur, donc on va se casser avant qu'on nous accuse, hein, d'avoir cassé un mur. Bon, c'est vrai, mais quand même. J'y tiens pas, j'y tiens pas. Hop, allez, go! Go, go, go. Ok. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Là, ça roule bien. Encore une voiture ici. Ah, il y en a de la voiture abandonnée ici. On pourrait peut-être voir s'il y a quelqu'un dedans. Non. La voiture est vide. Enfin, j'ai pas regardé là-bas, mais on aurait pu regarder, on aurait pu s'arrêter. Mais bon. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait. Allez, go. C'est parti. On y est presque, là. On a 500 mètres à faire. 400. Oh, franchement, on est arrivé. Ah, c'est 400 encore à vol d'oiseau, parce qu'on a encore un petit virage à faire. Mais bon. Ça va. Ça va aller, ça va aller. Tac. Hop. Petite. Bah, elle, visiblement, n'est pas formatée pour vendre de l'essence, de station essence. En tout cas, elle a pas d'onglet, donc est-ce que c'est moi qui l'ai retirée ou est-ce que vraiment elle marche pas? Je pense que vraiment elle ne marche pas. Alors, là, on a une superbe église, mais nous, on va là-bas. Voilà, à Nueva San Cristobal. Petite ville des familles. Alors, attention encore à la barrière, encore une fois. Hop. Sortir. Tac, tac, tac. Vous savez quoi? J'ai rangé ma lampe torche aussi. On n'en a plus besoin. Voilà, mettre dans le sac à dos. Voilà, parfait. On va s'ouvrir la barrière.
Ouais, je suis pas du bon côté pour l'ouvrir. Voilà. On va aller voir le vendeur. On va pas refermer tout de suite, on refermera après. Ça sert à rien. Je n'ai pas pour longtemps. Là, et voilà. Voilà, bah, notre sable est fait. Notre sable est fait. Bon, en tout cas, moi je vais vendre tout ça, mettre mon argent à la banque. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux préférés. Abonnez-vous, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Twitch, sur Twitter et sur YouTube, évidemment. Hein. On y est. Allez, ciao tout le monde, c'était Mariatax.